va boire un verre ce soir? Ils organisent une soirée de Noël spéciale célibataire chez O'Donnell's. Désolée, ma sœur m'a déjà invitée ce matin à son bal de Noël de la Navy. Je fais office de bouche-trou. Marc a un rendez-vous de travail. Oh, tu rencontreras peut-être un beau marin en uniforme. Ne te fais aucune illusion. Bonjour, Maddie. Bonjour. Tu savais que la vie est belle passe ces jours-ci, au Rialto? J'adore ce film. Génial! Affaire conclue. Affaire conclue? T'as même pas dit oui? Enfin, vous êtes quoi exactement l'un pour l'autre? Y a rien de sérieux pour l'instant. On s'est vu une fois ou deux. Pour l'instant? Je sais vraiment pas ce que tu trouves à ce type. Je sais où je mets les pieds avec Owen. Il a la conversation facile et on a des points communs. J'ai un scoop. La seule chose que vous avez en commun tous les deux, c'est ce journal. Bonjour, Maddie. Voilà, j'ai reçu un tuyau d'un ami qui travaille au bureau du procureur. Le directeur de la banque de Norfolk a été mis en accusation pour fraude ce matin. Je m'en charge, monsieur Bailey. C'est l'occasion de briller. Décroche-moi l'exclusivité. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte, c'est une chance énorme. Oui, sauf que ce sera bientôt Noël, tu comprends. Qui a envie de lire des histoires de corruption et de banquiers qui se comportent mal? Je donnerai tout ce que j'ai pour couvrir une histoire plus palpitante. Mon dernier papier portait sur les mariages aux îles Fidji. C'est le genre de mariage qui me plairait. Quoi, je suis sérieuse, Sarah. Les gens ont de la chance, tu leur apportes de la joie. Alors que moi, je leur rappelle les dures réalités de l'existence. Mais il faut bien le faire, et t'es douée pour ça. Tu es toujours aussi ponctuel à ce que je vois. Tu es superbe pour quelqu'un que j'ai prévenu au dernier moment. Tu vas sûrement taper dans l'œil d'un bel officier. Pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça? Je ne suis toujours pas intéressée. Il faut garder l'esprit ouvert. On ne sait jamais où la vie va nous conduire. La vie? Je sais déjà pas où ma sœur va me conduire. À ce propos, tu es resplendissante. Merci. Tout comme toi. Merci. Après vous, lieutenant. Il faut que je me tienne au garde à vous, tu crois? Détends-toi, même les marins les plus disciplinés savent s'amuser. Tu n'as qu'à attendre l'ouverture de la piste de danse. D'accord. Je vais aller voir à quelle table on est. D'accord, je nous prends un verre. Ok. Bonsoir. Deux verres de vin rouge, s'il vous plaît. Oui, c'est tiens, ce que je pense. Le bar est là. Mais on verra bien. Ouais. Merci beaucoup. Oh, oh. Oh, mince, je suis désolée. On est arrivé. Il y a à peine 3 minutes. Je vais la faire nettoyer tout de suite. Non, encore mieux. Je vais aller vous en racheter une neuve. Je pars immédiatement, je vais vous en chercher une autre. Je venais enfin de trouver une robe blanche saillante, il fallait que ça m'arrive. Je suis vraiment désolée, je m'en veux tellement. Non, ça va aller. Ne vous en faites pas. Si tu veux bien m'excuser, je crois que je vais aller me rafraîchir. Je suis vraiment désolée. Le vin rouge est l'ennemi juré de toutes les robes blanches saillantes. Oui, c'est un cas d'extrême urgence vestimentaire. Elle y survivra. Il vaudrait peut-être mieux que votre cavalier s'occupe des boissons la prochaine fois. Oh, j'ai pas de... Compris, matelot. Je suis lieutenant. Le Grinch. Ça faisait un bout de temps, mon vieux. Noël ne vous inspire pas? Disons que c'est surfait. Bon, eh bien, je vais aller rejoindre ma cavalière. C'était un plaisir. Maddy, par ici. J'arrive. Joyeux Noël, Maddy. Oh, je suis très heureux de te revoir. Je suis ravie, commandant Jenkins. Oh non, 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 tu es une civile. Appelle-moi Chet. C'est incroyable de voir à quel point tu as grandi. On ne s'est pas revus depuis l'enterrement de papa. Ah. Vous aviez d'ailleurs fait un magnifique discours. Merci. John était l'un de nos meilleurs pilotes et un grand copilote lors de nos sorties. C'était vraiment le meilleur. Il aurait été très fier de vous, les filles, que toi tu écrives pour le journal et, bien sûr, que tu aies mis tes pas dans les siens sur le Polaris, Amelia. C'est pour moi un honneur de servir. En revanche, c'est vraiment dommage que tu ne sois pas inscrite pour la croisière de Noël avec ta mère cette année. Tu aurais pu voir ta sœur en action. Je sais, mais j'ai tellement de travail ces derniers temps. De grandes histoires demandent à être écrites. L'occasion de voir Amelia décoller dans un avion à 65 millions de dollars du pont d'un porte-avions, voilà bien une histoire qui mérite d'être écrite. Sans compter que nous ferons escale à New York cette année. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire? Le bateau quittera Norfolk après-demain, non?
Notre bateau accueille 6000 personnes à son bord. Je suis sûr qu'on arrivera à trouver une cabine pour Maddy. Maddy? Oh, c'est vraiment très gentil de votre part, mais m'organiser à la dernière minute alors que Noël est dans 10 jours... En tout cas, l'offre tiendra jusqu'à notre départ. Commandant? Ah oui, si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. J'étais content de te revoir. Oui. Tu sais que le commandant Jenkins est mon patron, n'est-ce pas? Oui, je sais. Que c'est mon big boss. Oui, je sais. Mais j'ai pas très envie de faire une croisière, c'est tout. Déjà toute petite, ça m'attirait pas et j'ai pas changé d'avis. Oui, je sais. Et maintenant, le plus important est de savoir où sont passés nos verres. Oh. Dis donc, ce serait pas ton étole? Qui est cette femme, d'ailleurs? J'en ai aucune idée. On a eu comme un accident au bar. Un type m'a d'ailleurs conseillé d'envoyer mon cavalier chercher les verres la prochaine fois. D'après l'état de sa robe, je crois qu'on devrait éviter le merlot pour ce soir. Affirmatif. Oh, Maddy. Oh, allez, viens. Je suis tellement désolée. Ah, je suis enchantée. Oh, c'est Marc. Je vais devoir répondre. D'accord. Allô, mon chéri? Je sais que les militaires peuvent être assommants, mais on l'est à ce point-là? Ma journée a été longue. Tenez, votre étoile. Merci. De nouveau seul? Comment va votre cavalière? Je crois qu'elle est traumatisée. Vous êtes sérieux? C'est le genre de femme qui aime que tout soit carré. Vous êtes bien assortie, alors? Pourquoi dites-vous ça? Je sais que la plupart des militaires sont très pointillés. Oh, je suis plutôt facile à vivre. Et spontané aussi. Oh. Ah, tu es là. Ton nœud est un peu de travers, Billy. Dan nous cherche partout. D'accord. Comment va Marc? Oh, ça va, il rentre demain. Ah. Je suis contente que tu m'aies accompagnée. Moi aussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Notre commandant souhaiterait vous adresser quelques mots. Merci, capitaine. Oui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis le capitaine de vaisseau Chet Jenkins, commandant de l'USS Polaris. Et j'aimerais vous souhaiter à chacun de joyeuses fêtes et vous remercier d'être venu à notre grand bal de Noël. Comme vous le savez tous, dans la Navy, on ne s'engage pas pour soi, mais pour son pays. Et où que je regarde dans cette pièce, je vois des femmes et des hommes de grande valeur, des personnes qui font d'incroyables sacrifices quotidiens pour notre pays. Et je ne parle pas simplement des marins, mais également de tous ceux qui les aiment. Toutes mes excuses. Je sais que nous ne sommes pas des gens faciles. Et j'ai hâte de pouvoir accueillir vos familles lors de notre prochaine croisière. C'est toujours un bonheur pour moi de leur faire découvrir le travail formidable que vous accomplissez. Aussi, pendant cette période de fête, soyez reconnaissants envers votre famille et envers notre grande nation. Levons nos verres et portons un toast. À la Navy! À la Navy! Et joyeux Noël! Cliente du Picasso. Joyeux Noël toutes les deux. Joyeux Noël. Noël. Venez, votre table préférée est libre. Merci. Dis donc, j'ai lu ton article ce matin sur le directeur de la banque. Ah oui? Il venait déjeuner ici, il avait l'air d'un chic type. Ah. Ça prouve qu'on sait jamais vraiment à qui on a affaire. Oui, c'est certain. Amelia, j'ai vu la photo que t'as prise depuis ton avion des illuminations de Noël en ville. Waouh, je l'ai trouvée impressionnante. Je l'ai faite pendant mon vol de nuit la semaine dernière. Encore merci pour tout ce que tu as fait. De rien. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Du bacon et des œufs. Un donut au chocolat. Le dernier, il part vite aujourd'hui. Oh, merci. T'as tellement de chance. Ouais, je sais pas ce que je ferais sans ma dose quotidienne de sucre. Non, je voulais dire. Tu fais un métier que tu adores. Comme toi, non? Tu adores écrire d'aussi loin que je me souvienne. Oui, c'est vrai, sauf que, je sais pas, je trouve plus ça aussi amusant. Tu te rappelles, à l'université, quand j'avais écrit un article à propos d'un pompier qui avait adopté un bébé qui avait été déposé devant la caserne le soir du réveillon et qu'il avait appelé Noël? Oui, je me souviens très bien de cette histoire. La petite fille a maintenant 10 ans, elle a de bonnes notes et elle a joué la Vierge Marie dans la pièce de l'école. C'est tellement touchant. Je trouve aussi. La façon dont cet homme lui a sauvé la vie et de voir ce qu'elle devient, c'est... J'adorerais écrire plus d'histoires de ce genre. À l'approche des fêtes, surtout.
Oui. Je vois un peu du noir en ce moment. Mais tu t'es amusée au bal, non? Oui, bien sûr. Tes collègues sont tous très sympathiques. Et est-ce que l'un d'entre eux t'a séduit? Amélia, enfin, jamais tu renonces! Non. Et puis, en plus, tu sais très bien comment c'était. À chaque fois que David partait en mission, je me faisais du souci. Je suis pas faite pour ça. Ça n'a pas fonctionné entre vous parce que vos personnalités étaient trop différentes. Je refuse les contraintes de la vie militaire. Rappelle-toi combien c'était difficile pour maman. Oui, je sais. Bonjour. Tiens, le type là-bas qui vient d'entrer. Lequel? Il y avait un type. Laisse tomber, il est parti. Je te jure qu'il était là, mais regarde pas comme ça. Des vacances te feraient du bien. Et si tu nous rejoignais pour la croisière de Noël? Quoi? Non, je te l'ai déjà dit, c'est hors de question. Et puis j'ai du travail. L'air vivifiant de l'océan te changerait peut-être les idées. L'air vivifiant de l'océan, tu veux dire le froid glacial? En toute honnêteté, je crois que je serais pas capable de rester loin de mon téléphone aussi longtemps. Ce serait pourtant une bonne chose. Ah. Désolée, c'est mon patron. La police vient d'arrêter le frère du directeur de la banque aussi. Tu devrais y réfléchir. T'aurais pas d'article urgent à écrire, aucun message de ton patron, on serait au milieu de nulle part. Je sais pas trop. On serait ensemble avec maman, juste avant Noël. C'est le moment que tu préfères dans l'année. Je vois, tu emploies les grands moyens. Ne me fais pas ces yeux-là. Fais-le pour nous. Allez, viens. Oh. J'ai l'impression que... j'ai pas pris la moindre journée de vacances depuis des mois. Alors, t'en dis quoi? D'accord, oui, j'accepte, je vais venir avec vous en croisière. Je dirai à M. Bailey de s'organiser, voilà tout. Génial, je suis trop contente. Oh, il va faire si froid. Croustillant, comme tu le voulais. Merci. Merci beaucoup, Sharon. Alors, M. Bailey... Bonjour, Bailey. Il faut... Où est-ce que tu vas, à cette allure? Bonjour, Owen, je t'expliquerai ça plus tard, je dois voir M. Bailey, désolée. Bonjour, M. Bailey. Bonjour. Cette histoire de banque prend de l'ampleur. Justement, je vérifie mes sources et je crois que mon article devrait être prêt pour l'édition de demain. Bien. Ensuite? Oui? Je vais partir en croisière. En croisière où? Aux Bermudes? Non, non, une croisière de Noël. Sur un navire avec des lutins et des rennes? C'est un bateau de la Navy. Chaque année, l'USS Polaris accueille des familles des marins qui travaillent à son bord. Ils y passent 2 à 5 jours. C'est l'occasion pour eux de voir à quoi ressemble la vie en mer et de passer les fêtes avec les leurs. Et pourquoi toi, tu irais sur ce navire? Ma sœur est pilote de chasse, comme mon père. Je suis une enfant de la marine. Comment se fait-il que je l'ignorais? Il est rare que je parle de ma vie de fille de militaire. On en apprend tous les jours. Quand pars-tu? Demain. Eh bien, je n'ai pas reçu ta demande de congé. Oui, ça vient de se décider. Mais j'ai promis à ma mère et à ma sœur que je viendrai et je serai rentrée pour le 22 décembre. M'a dit... Si ça vous convient. Ça va être compliqué de te remplacer. J'ai peur que ton article sur la banque n'avance pas entre-temps. C'est très important pour ma famille. D'accord. Vas-y, amuse-toi bien, tu l'as mérité. Et je confierai l'article à Owen. Merci, Monsieur Bailey. Regarde! Chaque année, ton père me disait qu'il décorait le navire pour les fêtes, mais je ne savais pas que c'était joli à ce point-là. Bienvenue à bord. Je suis Amélia, c'est moi qui m'occuperai de vous. Bonjour. Viens là, ma chérie. Bonjour, maman. Je suis contente que tu sois venue. Ah, merci. Alors, où est mon cocktail avec le petit parapluie dessus? Tu serais partante pour un festin de Noël avec de bons petits plats et du lait de poule? D'accord. Ah, la famille Cantino au complet. Oh, Chet, merci beaucoup pour cette invitation. Oh, c'est un honneur, Elisabeth. Je suis ravie que tu aies changé d'avis, ma grande. Merci d'avoir tout fait pour. Ah, le voilà, l'homme que je voulais te présenter. Le lieutenant Billy Jenkins. L'un de mes meilleurs pilotes de F-18. Et si je dis cela, ce n'est absolument pas parce que c'est mon fils. Oh. Billy, voici Elisabeth et Maddie. Tu te souviens, j'ai travaillé avec John Cantino. Oui, bien sûr. Tu étais haut comme ça quand je t'ai connu. En tout cas, je suis content de vous revoir. Et je suis content de vous revoir, vous aussi. Je ne savais pas que nos pères avaient volé ensemble et que vous étiez la sœur d'Amélia. Vous connaissez tous les deux? On s'est croisés au bal de Noël. Le vin rouge. Mesdames, souhaitez-vous vous joindre à nous pour le dîner de ce soir? Oui, nous en serions absolument ravis. Bien, on se retrouve à 20h alors. Bien, Billy. D'accord. Bonne croisière. Allez, on va vous installer. Je vous conduis aux cabines. Venez. D'accord. On y est.
Attention à la tête. Oui. Alors moi, je ne crains rien. Oh, Amelia. Tu l'as appelée la fille à son papa. Eh oui. Oh, chérie, c'est adorable. L'indicatif n'est pas censé être mignon, maman. Ce sont les autres pilotes qui le donnent. Mais j'avoue que j'ai eu de la chance. Ça ne me dérange pas comme surnom. C'est grâce à lui que je suis devenue pilote. Oh, et là, c'est le Grinch. Oh, celui-ci, c'est un dur à cuire. Votre attention, chère famille. L'USS Polaris s'apprête à prendre la mer. Bonne croisière à tous. Il est trop tard pour faire machine arrière, à moins de savoir faire un bon dos crawlé. On se voit au dîner. Venez, je vous fais visiter. J'ai tellement envie de le toucher. Bienvenue, mesdames. Je vous en prie, installez-vous. Oh, merci, vous avez fait des merveilles. Je vous remercie. Les fêtes de Noël sont prises très au sérieux sur le Polaris. De toute évidence. Comment avez-vous fait pour décorer ce rhinocéros? C'est tellement immense, j'imagine qu'il doit faire... Oh, merci. Dans les 126 sapins de Noël de 3 mètres mis bout à bout? Eh bien, je n'avais jamais entendu parler du bâtiment en ces termes, je dois dire. Maddy a une façon bien à elle de s'exprimer parfois. Hein? C'est le maître principal chargé du bureau de poste qui s'occupe chaque année des décorations. Il est à bord depuis toujours. C'est une perte de temps. Selon moi, les bateaux servent à se battre, pas à fêter Noël. C'est la raison pour laquelle on le surnomme le Grinch. C'est un excellent pilote de chasse, mais un vrai rabat-joie pendant les fêtes. Oh, j'oublie mes bonnes manières. Charlotte, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, commandant. Voici Elisabeth, Maddy et Amelia. Bonsoir. J'ai volé avec leur père. Oh, ravie de vous rencontrer. Charlotte est une écrivaine à succès. Oh, dans quel domaine? La romance. J'aime énormément voyager et les gens me racontent toutes sortes d'histoires d'amour incroyables. Et j'en fais des romans. Ah, ça doit être passionnant. Vous savez, j'ai moi-même rencontré la mère de Billy lors d'une croisière de Noël il y a 35 ans. Ah oui? J'étais un jeune lieutenant à cette époque. Barbara était étudiante et elle était venue voir son frère. N'est-ce pas une incroyable histoire d'amour? Oui, sans la fin heureuse. Et donc votre père cherchait ce qu'il pouvait bien vous offrir pour Noël. On était dans une brocante au Japon et il a demandé à la vendeuse si elle avait une poupée en essayant de parler japonais du mieux qu'il le pouvait. Et elle a compris qu'il avait demandé un chat. Votre père était bien embarrassé. Je me souviens de ces poupées d'ailleurs. Ah, oui. Et pour toi, Elisabeth, il avait pris un kimono bleu avec des fleurs, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est exact. Votre père se donnait toujours pour mission de vous rapporter des cadeaux uniques et originaux pour Noël. Et je faisais pareil pour Billy. C'est au pied du sapin que la plupart des enfants trouvent leurs cadeaux. Les miens arrivaient dans la boîte aux lettres. Oh, Dan, salut! Tu as réussi à venir. Désolé, j'ai manqué le dîner. J'ai été aéroporté. Dan est pilote, et c'est le frère de Charlotte. Oui, ce sont de vieux amis de la famille. Maman voulait qu'avec Dan, on passe du temps ensemble, tous les deux, alors... Voilà, je me retrouve sur un bateau militaire. Alors vous deux... Nous deux, quoi? Oh, si nous deux... Non, non, j'aime Billy comme un frère. Oh, Dan, ça me fait penser qu'on a promis à maman de l'appeler après le dîner. J'espère que ça ne vous ennuie pas si on y va. Oh, non, quelle question, merci. Pas du tout. Nous bonne avions soirée. Terminé de toute je façon. Je dois prendre mon quart de nuit. Oh, je peux venir te regarder un peu, s'il te plaît? J'ai envie de te voir à l'œuvre. Oui, avec plaisir. Je vais aller prendre un café. Maddy, tu nous accompagnes? Non, je suis un peu fatiguée. D'accord. Merci infiniment. Oh. Cette soirée était parfaite. Mais de rien. Billy... Que dirais-tu d'accompagner Maddy jusqu'à sa cabine? Oh, il est très difficile de s'orienter sur ce bateau. D'accord, oui. Bien. On dirait qu'il ne reste que nous deux, alors. Comment vous avez pu croire que Charlotte était ma petite amie? En fait, d'abord, je vous ai vus ensemble au bal, ensuite, elle est venue au dîner. C'était normal de se tromper. En effet, c'est logique. C'est drôle, mon père n'arrête pas de me dire que si je ne rencontre personne, je finirai ma vie tout seul. Ma sœur me dit tous les jours la même chose. Il aimerait que je trouve un amour qui dure. Amelia aimerait que je sorte avec un militaire, ce qui n'arrivera jamais. Désolée, la vie de militaire n'est pas faite pour moi. Elle ne l'est pour personne.
C'est incroyable que vos parents se soient rencontrés pendant une croisière de Noël. Ça arrive souvent? Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Je suis ici pour piloter mon avion et servir mon pays. Tout à l'heure, vous avez dit que leur mariage n'avait pas eu une fin heureuse. Vous vouliez dire quoi? Rien. Rien d'important. On y est. Vous devriez... Vous êtes tourné dans le mauvais sens. Ah, oh, pardon. Mais... J'oubliais. Ces escaliers sont très abrupts. En réalité, on appelle ça des échelles. Ça peut être délicat, la navigation sur un porte-avions. Il vaut mieux placer une main de chaque côté sur les rampes, le dos vers les marches. D'accord. Merci. On dirait un labyrinthe géant. 20 étages de haut et d'une longueur presque aussi importante que l'Empire State Building. Waouh, merci de m'avoir accompagné. Je suis le meilleur pilote guide touristique. Les cabines sont de ce côté. Ok. On se voit demain. À demain. Salut Sarah, j'ai peut-être trouvé une histoire de Noël ici sur le bateau. Incroyable. Dis-m'en plus. Commandant? Oh, entre, entre. Et appelle-moi Chet. Bonjour, Chet. Bonjour. Alors, que puis-je faire pour toi? Eh bien, voilà, j'ai repensé à une chose que vous avez dite hier soir. À propos de votre rencontre pendant une croisière de Noël. C'était en décembre 1984, oui. Mais j'aurais dû te dire que Barbara et moi avons divorcé il y a bien longtemps. J'en suis désolée. Billy y a fait allusion pendant le dîner. Oui, le divorce a été une épreuve pour lui, il était jeune. Oui. La vie de militaire est difficile pour l'entourage. Je suis d'accord. Mais tu sais, certains couples arrivent à tenir le choc. Avec Barbara, nous n'étions pas les premiers à tomber amoureux pendant une croisière de ce genre. Vous pensez que d'autres personnes accepteraient de me parler de ça? Il faudrait que je pose la question. Tout mon équipage est assez débordé ces jours-ci. Merci. Je suis persuadée qu'il y a plein de choses à raconter sur ce bateau. Si ça t'intéresse, on a une pièce remplie d'archives, photos, souvenirs. Tu devrais pouvoir trouver ce que tu cherches. C'est génial. Et que comptes-tu faire de cela ensuite? Une histoire. Peut-être bien. J'en sais rien encore. Eh bien, ça m'intéresserait de savoir. Je vais demander à Billy de te servir de guide. Il t'aidera si tu as besoin de quoi que ce soit. Vous croyez qu'il sera emballé par cette idée? Un mélange de Noël et d'histoire d'amour? En toute honnêteté, non. Mais ça ne lui ferait pas de mal, à mon avis. Non. J'ai des vols de prévu et on doit boucler les contrôles de maintenance avant la fin de l'année. J'ai pas le temps, papa. J'annule tous tes engagements. Tu l'aideras à trouver ce qu'elle cherche. C'est un ordre, lieutenant Jenkins. Waouh! C'est fou ces objets d'époque. J'étais encore jamais venu. Ah oui? Oh, regardez ça. Waouh, cool! Un B-29. J'ai trouvé des photos de Noël. On dirait qu'il y avait des spectacles amusants. Oui, je crois qu'on a reçu toutes sortes de danseurs, de chanteurs, de célébrités, de spectacles caritatifs, de présidents même. Vous n'êtes jamais venu en croisière, enfant? Je voulais pas quitter la maison un seul jour. Faire de la pâtisserie, décorer le sapin, faire le tour du quartier pour admirer les décorations. J'aime tellement Noël. Ça m'étonne qu'on ne se soit pas croisés quand on était jeunes. Ah, eh bien, j'ai jamais assisté aux réjouissances militaires. J'étais toujours plongée dans un bon livre ou... à écrire des histoires en guise d'échappatoire. Vous écrivez sur des banquiers corrompus comme étant des actes frauduleux, n'est-ce pas? Sur eux et d'autres personnes, assez peu recommandables. J'ai l'impression que vous avez lu mon dernier article. Oui, je lis le journal à mes heures perdues. Vous devriez parler des pilotes qui sont sur le Polaris. On est les meilleurs des meilleurs. C'est une source d'inspiration. Oui, l'ego surdimensionné des pilotes. Un ancien journal.
Il a été tenu par un pilote qui s'appelait Sam en 1965. Waouh, une danseuse. Elle est magnifique. Waouh, si c'est lui qui l'a dessiné, c'est un artiste. Que dit son journal ? Nous sommes rentrés du Vietnam juste à temps pour l'opération Croisière de Noël. En décembre 1965. C'était la première fois que nos familles étaient autorisées à nous rejoindre pour voir ce que nous faisons chaque jour pour notre pays. Tout le monde m'a tellement manqué. Aujourd'hui, la plus belle femme qu'il m'ait été donné de voir a embarqué sur le bâtiment. Je l'ai aidée à porter son sac. Il n'a appris que son prénom. Dorothy. C'est incroyable. Au moment où je l'ai vue, j'ai eu la sensation de contempler mon avenir. Elle avait quelque chose de particulier. C'est si... indiscipliné. Oh. Romantique. Il y aurait de quoi en faire une histoire, peut-être même une histoire de Noël. Ça vous ennuie si je l'emprunte ? Non, vous avez entendu mon père. Tout ce dont vous avez besoin. Génial. J'ai envie de voir comment l'histoire se finit. C'est un costume de Père Noël ? Oui. Oh. Faites voir. Oh, Billy, je crois que cette tenue est exactement à votre taille. Oui, à condition de porter deux gilets de sauvetage en dessous. Vous devriez vous déguiser en Père Noël pour les enfants du bateau. Hors de question. Quoi ? Je suis persuadé que mon père voudrait que je vous aide pour cette histoire d'amour et que je sois soudainement touché par l'esprit des fêtes, mais désolé, Noël, c'est pas mon truc. Le 4 juillet, d'accord. Des dizaines de milliers de feux d'artifice qui explosent dans les airs, ça oui, c'est nettement mieux que tous ces chants et ces sucres d'orge. Oh, tout le monde aime les sucres d'orge. Vous ne me changerez pas. L'armée de l'air, c'est toute ma vie. Et les fêtes de Noël sur un bateau ne sont qu'une distraction. Fin de l'histoire. Fred Bailey ? Monsieur Bailey, c'est Maddy. Maddy ! Tu es sur le porte-avions ? Oui, c'est vraiment génial. Et glacial. Ah, et alors pourquoi tu appelles ? Tu es censé profiter de tes vacances. Je sais, mais je crois que j'ai une idée pour une histoire qui a vu jour sur ce bateau. C'est-à-dire, ce serait quoi, une histoire de guerre ? Plutôt du genre amour et guerre. Si je vous disais qu'elle parle de trouver l'amour pendant Noël sur un bateau militaire. Je croyais que tu partais en croisière avec des reines, pas avec des célibataires. En réalité, quelques passagers civils sont venus régulièrement en croisière et certains ont fini par se marier avec des marins qu'ils ont rencontrés à bord. Imaginez, ça donnerait devoir, honneur et romance. C'est pas la devise de l'armée. Il ne fallait pas l'entendre au premier degré. Je pense que si j'arrive à trouver un couple dont l'histoire d'amour a duré des années, je suis sûre que ça pourrait constituer un magnifique article à publier en première page. Non, tu vois, les histoires d'amour, ce n'est pas notre domaine. Maddy, tu es là ? Maddy ? Désolée, monsieur Bailey. Un son de 130 décibels vient de passer au-dessus de ma tête. Sur ce bateau, il y a tout le temps du bruit. Écoutez, et si je creusais un peu, histoire de voir ce que ça donne ? Peut-être qu'on serait surpris ? Mais tu es en vacances. Alors, vous êtes d'accord ? Eh bien, si tu trouves quelque chose, j'y jetterai un œil, mais je ne te garantis rien, d'accord ? Et souviens-toi des principaux ingrédients des histoires de ce genre. Du cœur et de l'émotion. Je vois, oui. Merci, monsieur Bailey. Oh, ils sont là. Juste là, regarde. Hier soir, j'ai croisé Dorothy au mess pendant le dîner. J'ai enfin trouvé le courage d'aller lui parler. Elle vit à New York et travaille comme professeure de danse. Elle est aussi adorable qu'on peut l'être. Son frère m'a prévenu que Dorothy avait un fiancé qui l'attendait. J'espère que c'est pas trop sérieux entre eux. Car il y a quelque chose dans son sourire qui me redonne de l'espoir pour la première fois depuis des années. Salut. Votre mère m'a dit que vous étiez ici. Oui. Joli vol, c'était impressionnant. Merci. Alors, des nouvelles de notre couple de Noël ? Vous êtes curieux. Non, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est le côté purement historique.
Bien. Alors, j'ai repris le journal du début et il s'avère qu'en fin de compte, Sam a parlé à Dorothy. Mais il a découvert que son fiancé l'attendait au pays. Je ne sais pas comment ça finit. De mon côté, j'ai fouiné dans les archives, voir si je trouvais quelque chose et... tenez, regardez. 1965 pour Dorothy. Vous croyez que Sam l'a faite pour elle? C'est probable, en tout cas. Le maître principal chargé des décorations de Noël pourrait peut-être nous venir en aide? Oui, mais le bureau de poste ferme ses portes à 18h. C'est à peine dans 10 minutes? Oui. Allons-y. Bonjour, Nick. J'ai trouvé cette vieille décoration dans la salle des archives. On sait que c'est ancien, mais on se demandait si vous connaissiez Dorothy. Cette étoile porte son prénom. Alors, en 1965, c'était la toute première croisière de Noël. On dirait qu'elle provient d'un de nos ateliers de décoration. C'est une tradition durant les croisières. Non, j'ai pas la moindre idée de qui est Dorothy. On croit qu'un pilote appelé Sam l'a faite pour elle. Lui aussi, on aimerait le retrouver. Je crois que mon frère a accès à ces dossiers. Il travaille au département des anciens combattants. Il est parti en vacances aujourd'hui, mais disons qu'il a un petit service à me rendre. L'an dernier, j'ai entièrement décoré sa maison pour Noël. Génial. Quel est le nom de famille de Sam? Malheureusement, on n'en a aucune idée. Ah, alors, c'est un sacré défi à relever, mais je vais voir ce que je peux faire. Oh, et on a trouvé le journal de Sam. Il y a dedans un dessin qu'il a fait. Selon nous, c'est peut-être Dorothy. Une danseuse? Mm-hmm. À certaines années, les artistes qui se produisaient pour soutenir les troupes venaient pour les fêtes sur le bateau. Vous croyez qu'elle en faisait partie? Peut-être. Au pont inférieur, il y a pas mal de photographies et d'archives. Au pont inférieur, oui, je les ai vues en montant à bord. Oui, c'est ça. Vous devriez y jeter un œil pendant ce temps-là. Je passe un coup de fil à mon frère. Merci, Nick. Maître principal. Joyeux Noël. Oh, ces photos sont fabuleuses. Ce porte-avions a une longue histoire. Le président Johnson. Ce serait pas Dorothy? En effet, elle lui ressemble. À New York, il y a un bâtiment sur l'histoire de la Navy. Ça vous dit d'y aller avec moi? De toute façon, on doit y accoster demain, alors je n'ai qu'à téléphoner. 4 ans à l'Académie Navale et je me retrouve dans la version de Noël de la croisière s'amuse. C'est pas drôle? Vous savez que mon père me mettra aux arrêts si je ne vous aide pas. Génial. The folks are shopping, the temperature's dropping, big day's almost here. The lights are on, the trees are up, it's the best time of the year. J'ai hâte de voir les danseuses du musical et le sapin de Noël du Rockefeller Center, les décorations de la 5e avenue, mais surtout, je veux goûter à leur pizza, d'accord? Elle va m'épuiser. Amusez-vous. Oh, le navire repartira à 20h précises, alors ne soyez pas en retard. 20h précises, reçu 5 sur 5. À ce soir. Je crois que le bâtiment historique est par là. D'accord. Vous conservez une trace de tous les spectacles? Oui, naturellement. Mais les plus anciens n'ont pas encore été transférés sur l'ordinateur. Vous savez, il y a eu toutes sortes de personnalités qui se sont produites devant les troupes. Vous avez dit 1965. C'est ça. Sur le Polaris, n'est-ce pas? Oui. Vous avez trouvé une Dorothy? Ah! Voici sa fiche. Il pourrait s'agir de Dorothy Milne. Voici la liste de ses différents contrats comme professeur de danse. C'est ce qui a été écrit dans son journal. Je ouais. Vois qu'elle a travaillé à l'Ovation Dance Studio, ici à New York. Je suis à deux doigts de vous embrasser. J'arrive pas à le croire. L'Ovation Dance Studio est encore en activité. Je me demande si Sam l'a retrouvé là. Ah, je me rappelle le dernier passage de son journal qui disait... Hier soir, j'ai vu Dorothy se produire avec les danseuses de son studio. Elle était à couper le souffle. On aurait cru qu'elle flottait dans les airs. Je suis allé lui parler après le spectacle. Et elle était tout à fait comme je me l'étais imaginé. Douce, intelligente... Mais lorsque je suis venu la voir ce matin, son frère m'a dit que Dorothy était partie en avion cargo. Cela paraît un peu fou, mais j'ai le sentiment de la connaître depuis toujours. Il faut que je la retrouve après notre accostage à Norfolk. On a peut-être résolu ce mystère de Noël. Oui. Et 4, demi-plié et côté, et bonjour. Seconde. Elles sont tellement mignonnes. Oui.
Aujourd'hui, c'est la répétition générale pour notre spectacle de Noël. Est-ce que je peux vous être utile? Oui, je suis Maddie Contino de la Gazette de Norfolk et voici le lieutenant Jenkins. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène? Nous cherchons une femme qui aurait pu être mariée à un militaire. Elle s'appelle Dorothy Milne. Il semblerait qu'elle ait travaillé ici, il y a longtemps. Oui, Dorothy a été mon enseignante quand j'étais jeune. J'ai ensuite racheté le studio au propriétaire. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Elle était venue à New York pour intégrer le music hall, mais son rêve ne s'est jamais vraiment réalisé, alors elle est venue enseigner ici, et parfois elle se produisait en spectacle devant les troupes avec l'association. Vous savez d'où elle venait? De Kansas City, il me semble. Vous savez si elle avait épousé un pilote qui s'appelait Sam? Je me rappelle qu'il y avait un pilote qu'elle venait de rencontrer durant une croisière. Il est venu la voir après que le navire a accosté. Il lui a apporté un joli bouquet de roses ici au studio alors qu'on était en plein cours de danse. C'est mignon. Mais à l'époque, elle avait déjà un petit ami qui, selon elle, prévoyait de la demander en mariage, alors... Eh bien, je ne sais pas trop avec qui elle a fini par s'installer. Vous sauriez quel était le nom de famille de Sam, par hasard? Cela remonte à si longtemps. Quelques jours après Noël, nous avons appris que Dorothy était partie pour la Californie. Mais je ne sais rien d'autre. Je suis navrée de ne pouvoir vous aider davantage. Et si on mangeait un petit quelque chose? Vous connaissez les marrons grillés? Non, j'ai jamais goûté. On va en prendre deux. Laissez. Ah. Merci. Et voilà. Voyons ce que ça donne. C'est plus doux que je croyais. Je dirais la même chose de vous. J'en déduis que c'est un compliment. Vous étiez déjà venu à New York avant? Oui, quand j'avais 6 ans, mes parents m'y avaient emmené pour Noël. Avant le divorce? Oui, c'était la dernière fois qu'on fêtait Noël tous les trois. C'est un souvenir doux, amer? Oui, mais c'était le meilleur Noël que j'ai connu. Je vois. Je trouve ça chouette que vous ayez tous ces souvenirs. Quand mon père rentrait pour les fêtes, on allait toujours manger au Picasso. Et on commandait des tas de bacon super grillés, c'était notre truc. C'est la seule façon de le manger. Vous êtes d'accord? Oui. Tenez, madame. Merci. C'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Musée du train miniature de New York. Exposition annuelle de Noël. Je crois que j'y suis allée quand j'étais jeune avec mon père. Ah oui? Vous voulez qu'on y aille? Ce sera amusant. J'en sais rien, je... Oh, allez, vous l'avez dit, c'était le meilleur Noël que vous ayez connu. Bon, d'accord, allons-y. Génial, c'est parti. Ça me ramène longtemps en arrière. Est-ce que ça va? Oui, oui. Je me souviens que mon père m'a dit comment les trains fonctionnaient quand on est venu ici. Et après le divorce, ça a été à peu près la seule chose dont on a parlé. Les trains, les avions... pratiquement tout ce qui avait un moteur. On se confiait pas l'un à l'autre. On faisait bonne figure, vous voyez? Ma mère a fait exactement l'inverse. Elle a eu le cœur brisé lorsque mon père est mort et la seule chose qu'elle voulait, c'était qu'on parle de lui, mais j'y arrivais pas. Pourquoi ça? C'était beaucoup trop douloureux. Je suis désolé. Il est mort durant un vol d'entraînement, c'est ça? J'avais 17 ans. Le jour où tout a basculé. Mon père dit que c'était un type bien. C'est vrai, oui. Et il nous aimait vraiment beaucoup. J'aurais dû accepter à chaque fois qu'il m'a invité à venir passer quelques jours à bord pour la croisière. Il vous comprenait, j'en suis certain. C'est pas évident d'être un enfant de militaire. Je sais. N'empêche que c'est une chose que je regrette. Écoutez, c'est pas la peine de vous en vouloir pour ça. Et je vous comprends. Croyez-le, tous ces déplacements, cette incertitude... Il arrivait que nos pères partent pendant des mois. Oui, mais... Vous avez de la chance d'avoir encore le vôtre. C'est quelque chose de précieux. Je sais. Vous savez, il m'avait pris un tout petit train rouge. Ah oui? À la boutique du musée. J'ai conduit cette locomotive sur tous les murs de notre maison jusqu'à ce que les roues se détachent. Ah, c'est adorable. Je me souviendrai toujours du moment où on l'a choisi tous les deux. Il était pas très cher, il coûtait 5 dollars, mais rien ne comptait plus à mes yeux que ce train. Vous l'avez toujours? Je l'ai égaré lors d'un déménagement. C'est triste. Oui, mais c'est le souvenir qui compte, non? Oui. Dites, si on allait regarder le train du pôle Nord,
Avant ça, je vais voir s'ils font du chocolat chaud. Mais je vous retrouve là-bas, d'accord? D'accord. Bien. Ici le vol 747 à la tour JFK. On se prépare à l'atterrissage. Bien reçu, vol 747. Rendez-vous sur la piste 09 et attendez l'autorisation. D'accord, bien reçu. J'ai amené Teddy voir les trains, mais ce qu'il préfère, ce sont les avions. Ce petit ira loin. Tu sais que Billy est un vrai pilote de chasse dans la Navy. Waouh. Jenkins, à votre service. Vous décollez depuis les porte-avions, alors? Oui, monsieur. Mais tu sais, c'est facile de décoller d'un porte-avions. C'est atterrir qui est compliqué. Waouh, c'est génial. Un jour, moi aussi, je serai pilote de chasse. Tu y arriveras si tu travailles dur. Tiens. Ça. Waouh, c'est pour toi. Waouh. Alors, vous le reprendrez pas? Non, mon grand, tu peux le garder. C'est pour toi. C'est un cadeau magnifique. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Vous avez été gentil avec lui. Merci. On est d'accord que vous venez de dire Joyeux Noël, j'ai pas rêvé. N'allez pas le dire à mes camarades de bord, ils pourraient écrire Père Noël sur mon avion. Oh non, ils me croiraient pas. Ça vous dit d'aller dîner? Je connais un petit resto qui changera définitivement votre façon de voir Noël. C'est de la manipulation? Oui, votre cerveau sera mis à rude épreuve. Très bien. Allez, venez. Oh, j'ai le cerveau gelé. Ça ne s'appelle pas la colossale coco givrée pour rien. Vous plaisantez pas ici. On prend les fêtes de Noël très au sérieux. Vos burgers arrivent. Merci. Tout à coup, je me sens tellement insouciante. Sincèrement, ça m'est pas arrivé très souvent. C'est ce que je ressens lorsque je vole dans mon avion au-dessus de l'océan. Par moments, je me sens totalement en paix. Oui. Enfin, jusqu'à l'instant où je dois atterrir sur un bateau dont le pont fait la taille d'un timbre-poste. Et ça vous effraie? Non, j'aime ce que je fais à chaque instant. L'adrénaline, l'urgence. Je crois que j'ai peur de rien. Pas même des fêtes de Noël? Des fêtes de Noël? Je dis ça, j'en sais rien. On dirait que vous fuyez ces fêtes à tout prix. Que voulez-vous dire? D'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il semblerait que... vos parents aient divorcé peu de temps après être venus ici. Oui, c'est vrai. Ensuite, la plupart du temps, avec ma mère, on fêtait Noël seul. Sans la famille rassemblée, ça n'avait plus aucun sens. Et je n'y voyais plus aucune magie, ni rien qui s'en approche. J'en suis désolée. Et je voudrais m'excuser aussi de vous avoir trop vite jugé. Ça fait rien. J'ai conscience qu'il m'arrive parfois d'être un peu grincheux à Noël. Un peu ? Bon, enfin. Eh bien, dans ce cas, je pourrais agiter ma baguette magique de Noël. Et peut-être que vous garderez en mémoire de nouveaux souvenirs. Comme quoi? Comme un souvenir de cet après-midi. Le moment où vous avez fait sourire ce garçon. Lorsqu'on était au musée du train, il a rencontré son héros. Et on a vu aussi des petites danseuses des plus mignonnes. Et aussi, je ne voulais pas le dire, mais il semblerait que vous ayez croqué dans votre sucre d'orge. J'ignore totalement à quoi vous faites allusion. D'accord. Je dois dire que j'avais pas autant ri depuis longtemps. Bien. Vous êtes époustouflante. Pourquoi? Vous êtes parvenue à me faire revivre cette journée comme si c'était un album photo. Vous avez un talent certain pour le récit. Je suis journaliste, alors. Vous êtes beaucoup plus que ça. Désolée, c'est ma maman. Où es-tu? Le bateau va partir. Oh mince, il faut qu'on y aille, il est 19h30. Excusez-nous, oubliez les burgers. Désolée, gardez tout. Et joyeux Noël, hein? Oui, joyeux Noël. Et pardon. Taxi! Taxi! Quai 90. Ok. Oh, c'était une mauvaise idée. On y est presque. On n'y sera jamais à temps. Il va falloir courir. Courir? Ouais. Quoi? On va y arriver. Venez. Gardez la monnaie. Vite, vite, vite. Vous êtes dingue. Oh, excusez-nous. Allez, allez, allez. Pardon. Vite. On y est presque. Oui. Bonsoir, Père Noël. Excusez-moi. Bonsoir. Ah. Attendez, attendez. Merci. Joyeux Noël. Allez, venez. Il est encore vite. Là. Merci.
était moins une, lieutenant. Quelle course! C'est fou, on a traversé la moitié de la ville en courant. Merci pour cette journée. Pour tous ces souvenirs. Tous les nouveaux. Avec plaisir. Sarah, c'est Maddie. Salut, toi. Alors, t'as survécu à l'océan? Oui, je reviens demain. Comment va Monsieur Maverick? Tes recherches, ça avance? Quel rabat-joie. Ok, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. J'écoute. J'ai trouvé Dorothy Milne. Ah oui? Où ça? Elle est partie pour San Diego en 1966. D'accord, et les mauvaises nouvelles? Ensuite, j'ai aucune trace d'elle. Elle s'est sûrement mariée et aura changé de nom. La question, c'est qui a-t-elle épousé? Merci pour tout, Sarah. De rien, c'est un plaisir. Et tu me dois au moins une bonne soirée entre filles en revenant. Avec plaisir. Sarah, tu... Et surtout, il faudra que tu le cuisines. Je veux tout savoir sur cet homme mystère. Écoute, la seule chose que je vais cuisiner, ce sera un repas de Noël. Tu me passes, Monsieur Bailey? Alors? Oui, bien sûr. Tout de suite. Ça m'a dit, c'est ça? Je voudrais lui parler. Je regrette, j'ai dû transférer l'appel à Monsieur Bailey. Désolée. Bonjour, Maddy. Alors, cette histoire? Eh bien, il y a bien un homme et une femme qui se sont rencontrés durant la première croisière de Noël en 1965. J'ai trouvé un vieux journal intime. Lui était pilote de chasse, elle était danseuse. Elle est venue pour un spectacle sur le bateau et il a suivi sa trace jusqu'à New York. C'est une très jolie histoire. Enfin, si elle se termine bien. Si elle se termine bien? Je suis un peu ennuyée, il n'y a aucune trace du couple. Ah, ça, c'est un problème, oui. Parce qu'en fin de compte, j'ai besoin de cet article. Comment ça? Celui qui était prévu pour Noël est finalement tombé à l'eau. Oh, d'accord. Je vais faire de mon mieux, Monsieur Bailey. Très bien. Il ne reste que 5 jours. Découvre le fin mot de l'histoire. D'accord. Ok. Ah, bonjour. Salut. J'en déduis que l'enquête sur Sam et Dorothy n'avance pas. Oui, je stagne. Et mon éditeur veut que je lui envoie l'article. Vous y arriverez. J'ai un bon pressentiment. Ah oui? Que vous arrive-t-il? Ceci est un bateau de guerre, pas un navire de croisière. J'ai toute confiance en vous. Et j'ai aussi très envie de savoir comment ça se termine. Vous êtes sérieux? Je savais qu'un grand romantique se cachait sous l'uniforme. Arrêtez de me noyer sous les compliments. Les mots sont peut-être mal choisis. Oui. Dites, je comptais me changer les idées en participant à un atelier pain d'épices. Vous venez avec moi? Là-bas, il y aura ma mère et ma sœur. Un atelier pain d'épices au lieu d'un atelier cookie? Mm-hmm. Je dois dire que si je faisais de la pâtisserie, c'est certainement ce que je choisirais. D'accord. Suivez-moi, lieutenant. À vos ordres. Je n'avais pas fait de pain d'épices depuis des années. Sûrement depuis la fois où on a fait un avion en pain d'épices pour Amelia. Oui, je me souviens qu'on n'a jamais trouvé comment faire tenir les ailes. C'est parce que t'arrêtais pas de les manger avant qu'on les termine. C'est vrai. Je pense que vous devriez ajouter un peu de farine. D'accord. Dans la marine, on sait doser la farine. Joli travail. Toutes vos créations sont trop jolies. C'est impressionnant ce qu'on parvient à faire dans si peu d'espace. Ça doit pas être facile de cuisiner pour tout un équipage. Nous avons plus de 100 cuisiniers qui préparent 18 000 repas chaque jour dans 6 cuisines. Wow. 18 000 repas? Waouh! Comment faites-vous pour que tout soit aussi délicieux? Mes recettes restent secrètes. Et lorsqu'on ajoute un peu de beurre et de sel, c'est encore meilleur. Parce qu'avec un peu de beurre, tout est meilleur. Génial, vous avez bientôt terminé. Oui, je crois, sauf que j'ai un souci pour tout faire tenir ensemble. Je savais que mes études d'ingénieur me serviraient un jour. Admirez ça. Alors, comment avance ton article? Alors, malheureusement, c'est pas aussi facile que je l'avais espéré, mais c'est une aventure intéressante. Et Billy a été formidable. Billy? C'est merveilleux. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis ravi de l'entendre. Et j'espère que tout le monde apprécie notre croisière. Ce temps passé avec mes filles est tout simplement le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Voilà qui me comble de bonheur. La famille, c'est précieux. Je vous prie de m'excuser, je vais devoir vous abandonner. Le travail? Disons que j'ai quelques listes à vérifier. Excusez-moi. Portons un toast. À l'amitié, à la famille,
Et à Noël, bien sûr. Santé. Santé. À notre santé. Santé. Ensuite, on colle et on replie ça. Tu vois? Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, il faut ensuite... Oh, joyeux Noël. Oh, 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 oh. Joyeux Noël. Venez, les enfants. Mettez-vous en file indienne. Tout le monde pourra venir me voir. Ça alors, tu as fait des miracles, on dirait. Moi? Que s'est-il passé pendant cette escale à New York? Oh, on a échangé à propos du passé et de l'avenir et... J'ai rappelé à Billy ce qui rendait les fêtes de Noël si particulières. Oui. Il a l'air vraiment heureux. Merci infiniment. C'est... on dirait... Il neige. Quelle soirée parfaite. Absolument. Parfaite. Non, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Je te trouve génial, mais... quoi qu'il se passe ici sur le bateau, ça ne fonctionnera pas une fois rentré. Je suis vraiment désolée, je dois y aller. Mais, Maddy, non. Tu me diras. Je te redirai ça, oui. Mesdemoiselles, sayonara. Et surtout, passez de très bonnes fêtes. Je pars pour Aspen voir le reste de ma famille. C'était un plaisir, Charlotte. On s'est amusé. Au revoir, Dan. Au revoir. Oh, Chet, on s'est tellement amusé. Merci. Je vous en prie. Et j'espère surtout lire ton article le jour de Noël. Je l'espère aussi. Je croyais que Billy se montrerait pour vous dire au revoir, mais... bien... je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. À vous aussi, Chet. Joyeux Noël. Maddy, je suis content de vous voir avant que vous ne repartiez. On charge les bagages en coffre. Oui, t'as les clés? Mon frère a trouvé un Samuel William qui a été pilote sur le Polaris en 1965. Quoi? Comment c'est possible? Je croyais qu'il fallait un formulaire spécial pour avoir ces informations. Il s'avère qu'il a été décoré de la Navy Cross pour acte héroïque contre l'ennemi. Il a abattu 3 avions ennemis au Vietnam. Et cela fait de lui une personne de première importance, ce qui constitue une exception à la règle et donne accès à son dossier sans remplir de formulaire. C'est incroyable. Et où est-il aujourd'hui? Il est reparti pour le Vietnam en 1967 et il a été porté disparu. Oh. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé? C'est compliqué. Pendant qu'il était porté disparu, un incendie a ravagé les bureaux des anciens combattants qui abritent les archives dans le Missouri. Et ce qui paraît curieux, c'est qu'après l'incendie, on n'a aucune trace de lui. Mon frère n'a rien pu trouver dans les archives militaires. Donc on ignore s'il est encore vivant. D'accord, maintenant que j'ai son nom, je vais pouvoir enquêter. Ouais, bien. J'espère que vous trouverez. Bonne chance. Merci. Merci encore pour tout. Non, merci à toi. Passe de bonnes fêtes, Billy. Joyeux Noël, Maddy. Prends soin de toi, d'accord? Ouais. Joyeux Noël, fiston. Joyeux Noël. Alors, Maddy m'a parlé de votre journée d'escale à New York. Oui, oui, c'était chouette. On a vu une expo sur les trains. Celle où je t'ai emmené quand tu étais jeune. Ça m'a rappelé tout un tas de souvenirs liés à Noël. Ah. Et pas mal de souvenirs du divorce aussi.
On n'a jamais vraiment parlé de ton départ, papa. Un jour, t'as déménagé et ensuite, ça a été la loi du silence pendant des années. J'en suis désolé. À ce moment-là, j'ai cru plus facile de faire comme si rien n'était arrivé. Sauf que c'était très déroutant pour moi, surtout à l'époque de Noël. Ce que je voulais, c'était mon père. J'ai joué avec toi. J'ai joué avec ta mère. Mais je veux que tu saches à quel point tu m'as manqué. Quand tu es devenu adulte, pourquoi crois-tu que je tenais à ce point à ce que tu deviennes pilote? J'en sais rien. Pour suivre ta trace, peut-être? Non. C'était pour être avec toi au quotidien. Tu es la personne la plus importante de ma vie, tu comprends? Plus importante même que n'importe quelle carrière. Pourtant, ta carrière compte beaucoup à tes yeux. Et je me sens fier de ce que j'ai accompli. Mais il n'y a rien. Rien qui puisse rivaliser avec mon fils unique. Merci, papa. Alors, comment avance mon article pour Noël? Eh bien, je suis encore dessus, mais sincèrement, je doute de l'avoir terminé à temps. Tu sais que je compte sur toi. Je te donne jusqu'à ce soir. Ensuite, je ferai appel à quelqu'un d'autre. Ça paraît fou. J'ai enfin une histoire qui réchauffe le cœur, sauf que j'ignore de quelle façon la raconter. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ça te dit un chocolat chaud avec moi? Avec de la guimauve. Des tas de guimauve. Autant de guimauve que tu voudras. D'accord. Allons-y. Et donc, vous n'avez trouvé aucun document sur Sam Williams? J'en ai trouvé plein, mais rien ne correspond à l'âge et au profil de notre pilote. C'est tellement frustrant. J'ai la sensation de courir après un fantôme. J'ai du mal à croire que ce soit si difficile de retrouver quelqu'un. Mais oui, c'est un mystère total. On dirait que t'as vécu pas mal d'aventures sur ce bateau. À propos, dis-moi ce qui est arrivé avec Monsieur Maverick. On s'est... embrassé. Quoi? Oui, mais ça n'ira pas plus loin. Ah, mais cette romance est clouée au sol avant même d'avoir pu décoller. Est-ce que tu l'aimes? Oui, mais c'est pas si simple. Mais imagine votre mariage, tous ces hommes magnifiquement séduisants dans leur uniforme, avec leurs sabres, et tes demoiselles d'honneur dans une robe couleur pêche qui me sied parfaitement au teint. Un faire-part de mariage? Je peux être convaincante, mais... Sam et Dorothy ont probablement publié un faire-part de mariage. J'adore cette idée. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Oui, je crois que tu tiens une piste. Allez, viens. Tu vas trouver, j'en suis sûre. J'espère. Billy? On peut parler? J'espère que ça t'ennuie pas que je sois venue. Non, pas du tout. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oh, j'ai apporté ça pour toi, au cas où tu arriverais à le retrouver. Oh, waouh. C'est fou que t'aies fait tout ce chemin pour me donner ça. Tu sais, j'avais pas vraiment envie de te dire au revoir hier. Et quand t'es parti, je me suis senti... déboussolé. C'était comme... si quelque chose m'était enlevé. Je suis amoureux de toi, Maddy. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, je sais ce que tu ressens à propos de mon métier. De la vie de militaire, mais... j'espérais seulement que je pourrais peut-être t'inviter à sortir. Et qu'on voit ce que ça donne. Billy, si un premier rendez-vous est suivi d'un deuxième et qu'ensuite on veuille se revoir et... Écoute, même si on faisait des efforts, ça se terminera mal. Alors, est-ce que ça vaut la peine de courir ce risque? Tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais peur quand je volais et quand je t'ai répondu que j'avais jamais peur de rien? Eh bien, la vérité, c'est que j'ai peur de tomber amoureux. Mais j'ai envie de courir ce risque. Billy, je ne peux pas, je suis désolée. Alors c'est tout? Et si nos deux vies n'avaient fait que nous guider jusqu'à ce moment? Si nos destins venaient de se croiser comme ceux de Sam et de Dorothy? Il faut que je retourne travailler. Maddy! Je ferai jamais rien qui te blesse. Ça, tu n'en sais rien.
Il a l'air vraiment charmant. Oui, il l'est, mais cette romance ne décollera pas. Je crois que j'ai trouvé. C'est eux. Ils se sont mariés le jour de Noël en 1974. Mais leur nom de famille n'est pas William, mais Williams. Ils ont dû se tromper sur son dossier militaire avant l'incendie. L'incendie. Peu importe, t'es génial. Fais voir la suite. Dernière adresse connue à ce jour. Maison des anciens combattants à Norfolk. Et voilà. Allô, ici Maddy Contino de la Gazette de Norfolk. Je vous contacte à propos d'un couple qui vit dans votre maison de retraite, Samuel et Dorothy Williams. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont déménagé et comme je ne suis pas de la famille, ils n'ont pas le droit de me donner des informations. On était à deux doigts d'y arriver. Une seconde. Regarde là le nom qui est peint sur l'avion. Qu'est-ce qui est écrit ? Picasso ? Picasso ? C'est bizarre. Quoi ? Ben justement, il y a un restaurant dans lequel je vais manger depuis que je suis toute jeune qui s'appelle le Picasso. Et tu crois qu'il peut y avoir un lien ? C'est Noël, on peut croire au miracle. Retrouve-les, ma grande. Bonjour. Sharon ? Maddy ! Ta sœur doit te rejoindre ? Non, je ne viens pas déjeuner. Ah, d'accord. Non, en fait, j'aurais une question à propos d'une histoire que j'écris. À propos de cette histoire de banque ? Non, non, pas du tout. Mais de Sam Williams. Il a été pilote de chasse et il a épousé une femme appelée Dorothy. Oui, Sam, le restaurant était à lui. Je crois qu'il l'a vendu il y a 25 ans. J'ai travaillé pour lui quand j'étais jeune. Tu saurais où il se trouve ? Non, mais il me semble que sa fille vit à Virginia Beach. Elle s'appelle Lily. Oh, Sharon, tu es absolument géniale. On se revoit pour Noël. D'accord. Merci encore. De rien. Merci. Et voilà. Oui, enchantée. Je vous présente tous mes vœux. Joyeux Noël. Ils sont dans la véranda. Venez. D'accord, merci. On va voir. Maman, papa, voici Maddy, la journaliste dont je vous ai parlé. Je vous ramène un peu de thé. D'accord, c'est gentil. Enchantée. Lily nous a parlé de l'histoire sur laquelle vous travaillez. Oui, en réalité, votre rencontre est passionnante. Ça vous embête si je nous enregistre ? Je vous en prie, allez-y. Mais j'avoue que je ne saisis pas ce qui vous intéresse. Oh, et bien, d'après ce que j'ai lu, monsieur et madame Williams, l'histoire de votre rencontre est absolument incroyable. Alors, dites-moi, que s'est-il passé après la croisière ? Comment avez-vous séduit Dorothy ? Eh bien, son frère m'a expliqué où se trouvait son studio de danse. Alors, quand on a accosté, j'ai conduit 7 heures d'affilée pour aller la retrouver à New York. Sam est arrivé in extremis. Un peu plus, il devait affronter en duel le médecin que je fréquentais. Je n'étais pas sûre de mes sentiments pour lui. Mais quelque chose me plaisait chez Sam. Alors j'ai mis fin à ma relation avec le médecin et on s'est fréquenté quelque temps et j'ai su. C'était bien lui. On s'est fiancés peu de temps après et on comptait attendre avant de se marier que j'ai terminé mon service militaire, mais ensuite j'ai été envoyée au Vietnam. Je lui ai dit que je l'attendrais aussi longtemps qu'il le faudrait. À ce moment-là, j'ignorais que cela prendrait tellement de temps. Mon avion a été touché alors que j'étais en plein vol. Et durant les 7 années qui ont suivi, j'ai été prisonnier de guerre. Je gardais l'espoir qu'il soit encore vivant. Mais lorsque, à la fin de la guerre, des officiers sont venus frapper à ma porte, alors j'étais pratiquement sûre que Sam était mort. Oui. En réalité, ils étaient venus m'annoncer qu'il était en vie. Je me suis écroulée au sol en pleurant. Ça a été, je dois dire, le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qui vous a donné la force de ne pas renoncer à lui complètement ? J'ai prié jour après jour afin qu'il rentre à la maison. Il le devait. Après tout, c'était lui mon véritable amour. D'accord, et comment vous vous êtes retrouvés au restaurant ? Eh bien, j'étais artiste. C'est pour ça que les autres avaient surnommé mon avion le Picasso. Ils me taquinaient toujours un peu parce que lorsque je n'étais pas en train de voler, je faisais des dessins. Mais je n'arrivais pas à gagner ma vie de cette façon. Alors j'ai ouvert le restaurant. Mais c'est tout de même assez fou que vous ayez découvert tout ça. Oh, en fait,
Ça a été difficile vu que votre nom de famille était mal écrit. Ah, oui, c'est vrai, la Navy s'était trompée, ils avaient oublié le S. Et ensuite, j'ai décidé de garder William. Mais j'ai finalement réussi à le corriger en Williams lorsque j'ai pu revenir du Vietnam. Et vous avez eu d'autres enfants, tous les deux? Oui, oui, nous avons deux fils plus âgés dans le corps des marines et 5 petits-enfants. Ils doivent venir nous voir aujourd'hui. C'est super. Et comment avez-vous décidé d'un jour à l'autre de prendre un tel virage dans votre vie? Pour Samuel, pour la Navy? Cette décision a été la plus facile qui soit. D'accord, mais c'était une source d'incertitude aussi. Aucune importance. Sam était tout pour moi. Où que nous allions, tout ce dont j'avais besoin, c'était lui. Et puis, j'avais les enfants et ma carrière de danseuse, ce qui m'a toujours valu d'être très prise. Vous savez, l'USS Polaris a été baptisée d'après l'étoile du Nord. Depuis des siècles, l'étoile polaire guide les marins et les aide à retrouver le chemin de leur foyer. Et, en l'occurrence, elle m'a conduit à Dorothy. Je vous ai apporté quelque chose. Ah oui? Voyons. Tenez, ceci vous appartient. Oh! Je n'arrive pas à le croire. Sam, c'est l'étoile que tu avais fabriquée pour moi. Où avez-vous trouvé cette étoile? C'est un pilote de chasse que je connais qui l'a trouvée dans une boîte à archives. Elle est le symbole de notre amour éternel. Merci beaucoup. Est-ce que ce pilote vous a aidé à nous retrouver? Oui. Vous voulez bien lui dire merci de notre part? Je n'y manquerai pas. C'est un homme charmant. Ça a l'air délicieux, je meurs de faim. S'il te plaît, veux-tu bien attendre? Oh, ma chérie, tu es venue. Ah. Aucun article ne m'empêchera de voir ma famille pour le réveillon de Noël. Alors, comment ça s'est passé? Oh, merveilleusement bien, grâce aux Williams. Je suis si fière de toi. Merci, maman. Bien, si nous commencions avant que ça refroidisse. Ah oui. Tiens. As-tu parlé de l'article à Billy? Non. Mais il est passé au bureau l'autre jour. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait? Me revoir, je crois. Tu devrais dire oui. J'avais une chose à te demander. Est-ce que tu t'es souvent posé des questions sur votre avenir avec papa, au début de la relation? Ah, pff, non. Tout ce que je savais, c'était que je l'appréciais. Mais assez rapidement, je l'ai aimé. Écoute, c'est une chose dont je ne t'ai jamais parlé, mais j'ai commencé par rompre mes fiançailles avec ton père. Quoi? La vie de militaire, moi aussi, ça me faisait peur. C'est vrai? Mais j'ai eu beau lutter de toutes mes forces, je savais que c'était lui. Alors, je suis allée jusqu'au Japon, lui faire la surprise. Non, t'es sérieuse? Et il m'a demandé en mariage une seconde fois. Devant un de ces magnifiques temples, ce moment était parfait et si romantique. Parce que ce jour-là, j'avais pris conscience que cette fois-ci, c'était pour de bon. Ah, j'étais pas au courant. C'était difficile de vivre loin l'un de l'autre. Mais nous avions un lien très fort. Qu'il se trouve à des milliers de kilomètres ou à côté de moi le soir à table. Oui, mais à chaque fois qu'il était envoyé en mission, pour nous c'était déjà dur. Alors j'ose même pas imaginer ce que ça a dû être pour toi de nous élever pratiquement seuls. Oui, c'était pas évident. Mais tu oublies une chose essentielle. C'est qu'il m'a donné 2 filles. Et vous êtes ce qui nous est arrivé de meilleur au monde. Et toi, Maddy, oh, tu as été son rayon de soleil toute sa vie. Une vie qu'il a perdue beaucoup trop tôt, à cause de son travail. C'était un travail qu'il adorait, tu sais. Cela comptait beaucoup pour lui de protéger son pays. Il a sacrifié sa vie au service de son pays. On a véritablement de quoi être fier. Allô? Bonsoir, commandant Jenkins, c'est Maddy. Bonsoir, alors, tu passes de bonnes fêtes? Est-ce que tout va bien? Oui, je suis vraiment désolée de vous déranger. Je voulais savoir si Billy était là. Oh, Billy, oui, il est... Il est, en fait, désolé, non, il n'est pas disponible pour l'instant. Oh,
Dans ce cas, ça vous serait possible de lui demander de lire le journal de demain et de me retrouver au Picasso à 10h si... s'il veut qu'on discute. Oui, bien sûr, je lui dirai, Trésor. Je te souhaite un joyeux Noël, Maddie. À vous aussi. Il n'est pas disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Tu sais, il est peut-être occupé. C'est le réveillon de Noël. Ça doit être ça. Tu veux bien me raconter plus de choses sur papa? J'en serais ravie. Salut! Merci! Et joyeux Noël! Maman? Je suis là! Bonjour, joyeux Noël. Joyeux Noël, ma chérie. Regarde. Oui, l'article. Oh, ça y est. Ma chérie, j'ai tellement hâte de lire. Oh mince, oui. Où sont mes lunettes? Juste là. Oh, je te remercie. Je vais préparer le café. Par Maddie Contino. Oh, joyeux Noël, fiston. Joyeux Noël, papa. Tu devrais lire l'article de Maddie. Il se pourrait qu'elle ait changé d'avis, disons. Merci, papa. Je t'en prie. J'ai grandi comme fille de militaire, et j'adorais mon père, mais j'en ai toujours voulu à ce métier de nous l'avoir pris trop tôt. La semaine dernière, je suis partie pour une croisière comme on n'en fait qu'une fois dans sa vie. Il n'y avait ni buffet de minuit, ni soirée piscine. C'était simplement la frigorifiante croisière de Noël à bord de l'USS Polaris. Pendant mon séjour, j'ai découvert l'histoire d'un couple qui a changé ma façon de percevoir l'amour, la famille et l'armée. Maddie, tu t'es vraiment surpassée, je trouve. Merci, maman. Allô? Maddie? C'est Monsieur Bailey. Monsieur Bailey, bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je voulais te remercier personnellement pour ton histoire. Elle est très puissante, pleine d'émotions et personnelle. Tu peux en être fière. Merci, Monsieur Bailey. Vous savez, je pensais à l'orientation de ma carrière ces derniers temps et... je me suis demandé... si ça vous dirait que j'écrive sur les marins. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter. Des histoires poignantes et réconfortantes. J'aimerais écrire sur tous ces hommes et ces femmes qui font tant de choses pour nous. Ne t'inquiète pas, on trouvera un terrain d'entente. On en discute après les fêtes. Tu as besoin de vacances. D'accord, j'ai hâte de voir ça avec vous. Merci infiniment. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Merci, toi aussi. Alors, qu'a-t-il dit? Je crois qu'il est partant. Ah, m'a dit. C'est un bon article, hein? Excellent, tu veux dire. Il faut reconnaître ça, Maddie. Elle a su trouver une histoire d'amour incroyable. Et que penses-tu faire de la tienne, d'histoire? Papa, ça t'embête si je... Fonce. Boire des cappuccinos de Noël sur la terrasse, c'est parfait. Oui, ces fêtes de Noël sont parfaites. Nous voilà réunis, ton histoire a été publiée et elle sera bientôt récompensée. Oui. Merci, Amelia. Ma chérie, comme on dit, si ça doit arriver,
Alors, si on allait voir le spectacle de rue. Oui, allons-y. Maman. Billy? Joyeux Noël, Billy. Joyeux Noël. Voilà, j'ai lu ton article. Ton séjour dans la Navy t'a beaucoup appris. 4 jours entiers. Mais dans un espace aussi réduit, ça m'a paru durer 4 semaines. J'ai su que tu avais quelque chose de particulier dès que j'ai posé les yeux sur toi ce soir-là au bal. Je renverse du vin. Billy, j'avais jamais rencontré d'homme comme toi. Tu es pointilleux, précis, spontané. Sérieux tout en étant amusant. Et très séduisant, en uniforme. Séduisant, moi? J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai acheté à la boutique du musée. Merci. C'est... C'est fou, j'ai l'impression d'avoir 6 ans de nouveau et d'être au musée du train. Tu sais, ça faisait des années que je m'étais pas senti aussi heureux. Tu veux danser? J'en serais ravie. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? Joyeux Noël, lieutenant. I got my love. Joyeux Noël, m'a dit. I got my love.